J'ai envie d'essayer Rag, on va voir. Conservateur, c'était vraiment nul là. Conservateur, tu veux qu'il y ait genre pirate ou pour pouvoir jouer Peggy et dragon pour avoir la 2-6 et surtout pas Murloc en fait. Il faut bien commencer quelque part. Mais tu veux pas qu'il y ait Murloc et Mecha dans un lobby conservateur? Parce que Murloc, ça veut dire qu'il y a des toxis. Sachant que le plan de jeu conservateur avec son buddy, c'est de faire 2-3 gros minions horribles et toxis. Et Mecha quoi pour te prendre un Leeroy? Si on avait été en 2020, oui, c'était bien hein, avec conservateur d'avoir Mecha et Murloc. Mais là, on est en 2023, il y a Leeroy dans le jeu. Il level up, monsieur. Honteux s'il level up pas. Parfait. Game cliente généreuse avec Ragna, c'est pas mal. Ah, je veux bien croire que ça doit être pas trop mal, ouais. Ça te fait gagner tes fights en early. Du coup, j'imagine que tu déclenches deux fois l'effet de fin de tour de la cliente généreuse. Ouais, ça doit être ok, hein, j'imagine. Après, tu flottes un goal pendant le restant de ta game, quoi. Wow. On a un star token où on a gagné le premier fight. Je pense que vous allez gagner une médaille. Franchement, ce start il est bien. Hein. On a pu up en faisant taille sur nos deux premiers fights. On a tué trois serviteurs déjà. Comment se passe le match? Oula. Après, ça sur papier c'est censé être fort. Hein. Dans tous les cas, c'est pas comme si ça allait me faire gagner le fight. Donc malheureusement, on doit accepter de prendre un coup Il faut ici, bien commencer quelque part. en se disant que c'est potentiellement pour la bonne cause. Je vais pas freeze ça. Si j'avais eu un démon, oui, mais là... Oh, il a rush up. Quel plaisir. Dans tous les cas, là, on n'aurait pas tué grand-chose, donc... Parfait. Vous êtes une étoile montante. Allez, des cris de guerre, s'il vous plaît. Même pas peur. On est fort là du coup. J'ai tout bouffé, ça m'a donné faim là. C'est quoi l'intérêt de le risquer? Ah, il n'y en avait pas. Vous avez marqué le plus de points aujourd'hui. D'autres questions? Match.
Oui, là, vu que j'ai posé mes balls le tour d'avant, j'ai bouffé la meilleure créature. Si j'avais joué comme un petit sexe, le jeu l'aurait reconnu et là, bam, je mangeais la 1-1. C'est mathématique. Bon, par contre, faut tuer des serviteurs là. Parce que j'aimerais bien avoir mon. Vous avez marqué le plus de points En plus, aujourd'hui. c'est cool, une bonne game de rag. Ça fait toujours bien plaisir. Ça va. Est-ce qu'on peut espérer tuer 10 serviteurs chez le prochain? Faudrait qu'il ait beaucoup de ripop quand même. En tous les cas, il faut que je joue tempo pour essayer d'être fort. Oh. Et match. Bah, le truc c'est que je veux un 6 là-dessus. Juste je up. Parce que le triple achat. Ah, le triple achat il me régale pas trop. J'aurais pu me débarrasser de l'élément plus du shop par contre. C'est malin. Vous êtes en Je haut pars du du principe qu'il aura classement. pas 10 serviteurs de toute façon. Et donc quoi qu'il, peu d'intérêt pour moi de vouloir chercher absolument la win. Oh, un bon hit de con ça. Le match. Truc c'est que ça, ce sera quand même pas mal à... Je veux ça, mais je veux ça aussi. Le jeu a décidé que ce serait ça. Vous vendriez E2 pour faire proc ça là-dessus ce tour? Non, j'ai pas joué assez de créa pour que ça soit rentable, je pense. J'ai compté les points. Vous vous en sortez bien.
Oula. C'était un coup surtout à pas gagner mon fight d'aller faire ça. Comment se passe le match? Est-ce que au final on va vraiment vouloir d'un déflecto? Oh, à l'instant T ça me rend fort, ça me suffit comme. Même si long terme on n'en veut pas forcément, à l'heure actuelle ça me rend plutôt fort. Ça m'économisera quelques points de vie. J'ai compté les points. Vous vous en sortez bien. Ah ouais, il a pas encore crashé son buddy et il nous fait l'amour comme ça. C'est un truc de ouf. Ouais, lui il joue mieux Mutanus que moi. Hein. Ça c'est des boosts pour eux, c'est pas cher. Ça j'y crois pas trop. C'est pas le tour de fou, mais on avance tranquillement. Faut que j'aille me moucher, je reviens. On va voir aussi. Je pense que vous allez gagner une médaille. Alors. Oh, check de mort. Dommage, Chuck. Pourquoi pas le Nagate 5 parce que là, j'ai déjà, je pense, la compo que je veux. Jeu, set et match.
solide athlète. Regardez, un triple. Ok, ça c'est cool. Ça me fait un slot. C'est un effet de fin de tour, ça. J'aurais peut-être dû... Ouais bon, c'est pas très grave. Je pense que vous allez gagner une médaille. Ouais, il va falloir un taunt pour lui. Il est correct ça. Juste un bridou. Moi, c'est quand on a mangé avec les démons dans la taverne, ça m'a trop ouvert l'appétit. De toute façon, juste entendre le mot manger, ça m'ouvre l'appétit. Je serais tenté de level up, mais je pense que c'est vraiment important de trouver un taunt pour ça avant. Enfin, même de faire proc le buddy d'ailleurs. Ça, c'est des bons boosts. Un atout pour votre équipe. Oh. Formez une équipe championne. Une autre entourloupe. Vas-y, lui me fait peur. Une couronne n'a pas de mesure. Bien, bien, bien. On pourra dégager lui. Comme je disais, je savais que je risquais de pas le garder toute la game, mais... Ça reste une créature qui m'a économisé des points de vie, donc ça valait quand même le coup, je pense. Vous êtes une étoile montante. C'est hyper douloureux ce qu'il vient de me faire là. La partie a l'air serrée. En plus, un joueur de Murloc, ça fait peur. Attendez un peu de vous.
voir le trophée. Un triple? Je ne laisserais pas passer ça si j'étais vous. Bon. Vous prenez des risques, mon petit. Il y avait le tortelon à acheter avant. Quelqu'un peut lui expliquer ou... Je veux bien jouer, mais qui vous encouragerait alors ? J'ai compté les points. Vous vous en sortez bien. Boum. Je suis un cochon. Oh mais attendez, on va rejouer le Milouz là ? On va espérer avoir une mantide dessus. Oh. Faut toujours un taunt pour le truc de gauche parce que bon. Descends à manger, mais je veux mieux. Apprenez le goût de la défaite. C'est peut-être quand même pas plus mal d'aller booster ça. Vous êtes une étoile montante. Coucou. Que je l'ai boosté pour rien parce que je vais déjà vouloir l'enlever. C'était pour gagner ce fight, on va dire. Il faut bien les remplacer de temps en temps. Une couronne n'a pas plaisir. Celui-là joue bien. J'aurais pu vouloir jouer avec le Titus. C'est vraiment malin de jouer avec le Titus. Former une équipe
championne. Il faut bien les remplacer de temps en temps. Que vous allez gagner une médaille. Prendre le Naga pour la Mantide. Elle va avoir shield de toute façon. Voilà. Oh, jure, il a fait son taille lui. Alors, quel est le score? Ça c'est pas dégueu parce que j'aime bien, je pense. Il faut bien les remplacer de temps en temps. Vu que je bouffe tout, c'est quand même bien boosté. Lui il est assez gros, il a pas besoin d'être boosté. Formez une équipe championne. Vous prenez des risques, mon petit. Il faut bien commencer quelque part. Le problème de ça, c'est que dans tous les cas, je mange déjà tout. Vaut mieux prendre un Naga pour les adaptes. Soutiens celui-là. Vous êtes une étoile montante. Merde. Pourquoi le buddy est pas plus avancé aussi? C'est loose ça, non? Ouais. Les Cartèques ont eu raison de nous. Bon, j'aurais pu mieux jouer ce late game en même temps.